Bonjour et bienvenue à notre programme de MONUSCO Réalité, une production de l'unité vidéo de la MONUSCO. Nous serons aujourd'hui au Sud Kivu où notre équipe a suivi un convoi des Nations Unies dans des coins reculés et presque oubliés du Sud Kivu. Qu'y ont-ils découvert? Éléments de réponse après ce point de l'actualité. Une importante délégation comprenant les représentants spéciaux du secrétaire général de l'ONU en RDC, des membres du bureau de la CENI, des diplomates en poste à Kinshasa, était à Bandounouville le 8 juillet dernier. Objet du déplacement, s'enquérir de l'état d'avancement de la révision du fichier électoral. Selon la CENI locale, 3 500 000 électeurs se sont fait enrôler à ce jour. Les opérations de révision du fichier électoral se poursuivaient encore quand la délégation s'était rendue dans un de ces centres. Je voudrais vous réassurer de notre volonté complète de la part de la MONUSCO, de PNUD, des Nations Unies en général, de tout faire selon nos possibilités d'appuyer ce processus et le CENI et les autorités pour la tenue de ces élections. Finalement, je voudrais dire que je sais bien qu'on approche la fin de la période d'enrôlement des électeurs. Et de ma part, je voudrais encourager tous les électeurs qualifiés qui ne sont pas encore obtenu leur carte d'électeur de le faire, d'arriver à un nombre le plus important possible, d'assurer un taux de participation le plus important possible. On a amené une délégation de plus ou moins 18 diplomates pour venir voir le travail qui est fait dans le Bandundu. Nous sommes heureux que le Bandundu ait dépassé le 100%, nous sommes à plus ou moins 101% de nos estimations. Nous croyons que cette province qui se situe dans les quatre premières provinces en termes d'attente de nombre d'enrôlés a rempli sa mission. Nous sommes conscients des difficultés qu'il y a eu et nous sommes déterminés à aller de l'avant. Une mission conjointe des Nations Unies a parcouru du 12 au 17 juin dernier les 360 km de l'axe Bukavu-Shabunda. Elle était composée des membres civils de la MONUSCO, du Bureau des Nations Unies, des services d'appui pour le projet INOPS, du Programme alimentaire mondial PAM et de l'Office des routes de la République démocratique du Congo. Une quarantaine de casquets bleus de la brigade du Sud Kivu étaient aussi de la partie. La mission a pu constater de visu que certaines populations des régions plus ou moins éloignées souffrent encore de l'insécurité ambiante et de l'absence presque totale des infrastructures routières. Suivez ce reportage. Initially, when we have arrived, we have gone to towards the city. It was our mission that we have to make the stabilize the roads, also improve the road up to the Isizia, Nazibila to Isizia. So we have completed the Lubumbi Bridge too. Then we have gone towards Isizia around 12 kilometers to make the roads and making the stabilize the roads and improving the roads so that the vehicle can pass through. During the improving the roads, the main challenge is the rain. Yes, absolutely, it's very rain because it is found that during the rainy seasons, just before the 1 month, each and every day there is rains, especially in the afternoons. And the morning, the day after day, the vehicle pass over the roads and the road goes down. So it is very difficult to improve the roads each and every day. Les villages sur l'axe Bukavu-Shabunda souffrent le martyr. Les services sociaux de base comme l'éducation, la santé et les infrastructures routières, voire dans certains cas la nourriture, font cruellement défaut. Cette sortie, la première du genre sur ces trajets, a eu le mérite de permettre à la délégation d'en faire une évaluation. Tunaku
kwa na bengine wanakuwa watu wanasoma masomo wanakuwa juu na hivi atuone gari watoto wanashituka. Na hivi kubaona ni furaha sana. Mais dernièrement, pas encore. Okay. Mais on m'en parle. Je suis pas encore rendu jusqu'à. Okay. Il y a eu des déplacements. Par exemple, nos voisins de Baliga sont ici. Le chef de poste de Tchelamaz, par exemple, est là. Et il est en train de. Il est un déplacé de guerre. Nous avons celui d'Njovu est là. Vous venez de le voir et de lui dire bonjour. Et il est aussi un déplacé de guerre. Ce sont là les autorités politico-administratives. Et vous voyez. Quand la population voit cela, la population, elle aussi, est déstabilisée. Ici, nous avons quatre difficultés. En premier lieu, l'école n'est pas bien améliorée. Et nous n'avons pas la route, nous n'avons pas des puits et nous n'avons pas des hôpitaux. Comme ni mubarabara, bila ukosa hôpital, upembeni ya nyumba na zala kule. Iwe tu konyana kutua hata mpori ya nazala. On doit encore faire une évaluation des besoins et regarder comment on peut les assister à plus long terme et structurel. Aussi de discuter avec eux comment mieux se protéger. Alors je crois qu'on va en penser comment on va les aider les meilleurs et on va revenir à cet endroit encore une fois. Merci beaucoup. La création d'une base militaire de la MONUSCO sur cet axe, la réhabilitation de la route permettront sans nul doute aux populations riveraines de ne pas se sentir abandonnées. Une priorité d'ores et déjà inscrite dans les projets de la stabilisation de l'Est. Ainsi prend fin MONUSCO Réalité. Au revoir et à bientôt.